Arrivé à Sixt, Salvani n'est pas indiqué, donc prendre direction Cascade du Rouget. Et arrivé à Salvani, surtout ne pas prendre Cascade du Rouget. Et on arrive directement au parking de la Felatière, il y a un petit pont. Et un joli panneau avec les randos. On ne traverse pas le pont. On prend direct à gauche. Et c'est parti pour quelques heures de randonnée. Au départ, le chemin forestier est évident. Il finit par grimper tout droit et par se transformer en un petit sentier qui monte en lacet à gauche du torrent, donc sur la rive droite. Et on finit par déboucher sur un paysage de dalles qui est assez impressionnant dans le torrent justement. C'est très joli. C'est à cet endroit qu'il traverse en direction du refuge. Traversée d'une deuxième branche du torrent. Ces paysages de dalles sont étonnants. C'est très beau. Et une petite cascade au-dessus, c'est sympa. Au détour du sentier, c'est sûrement les rochers des Fils, avec une jolie cascade. Je crois qu'on en voit le bout là. Mais c'est vraiment une superbe montée depuis tout en bas là-bas. Alors ici, quand on débouche, ben on débouche, hein. Le paysage est monstrueux là. Le Mont Blanc, très blanc. C'est impressionnant. Et on est arrivé au refuge du Grenéron. Il n'y a plus qu'à continuer en face. Là-haut, c'est le Buet. Très joli passage à travers la roche. C'est jalonné en rouge quasiment tout le long. Petit passage chaîné, mais facile. Les chaînes aident bien d'ailleurs. Alors les passages balisés sont très bien étudiés, donc inutile d'essayer de passer ailleurs. À hauteur du passage, jetez un œil en bas. Les chalets des fonds, c'est très mignon vu d'ici. Un petit osio que je connais pas. Ben, ils sont habiles. Hein. Putain, dommage, j'aurais pris dans le vol. Alors apparemment celui-là il est un peu nerveux. Il doit se faire piquer par les temps, il est allé se gratter contre la muraille. Hein. Oui.
Ça gratouille. Il y a quelques passages sur l'arête qui sont un tout petit peu craignos, mais bon, c'est pas non plus très difficile. Mais bon, c'est déconseillé aux randonneurs du dimanche et aux gens qui n'aiment pas les passages rocheux. Par ici, c'est plus facile. Dommage qu'il y ait cette horrible ligne électrique. Ça passe au-dessus d'un petit système rocheux là qui est facile, hein, il n'y a aucun problème. Et après on se dirige vers les pylônes où il y a un sentier. Et on va suivre les pylônes en gros jusqu'au col du Genévrier. Voici le lac du Plan du Buet, presque à sec. Alors là il se pose un cas de conscience. Soit monter vers le Buet 2 heures. Soit aller vers le Cheval Blanc, 1h50, soit les deux, je verrai sur l'heure. En attendant, ben, je vais aller faire un tour au col du Genévrier, puis je verrai où se situe le Cheval Blanc. Encore un petit lac de fond. De là, on voit mieux le lac du Plat du Buet. Voilà, au col, alors je pense que c'est ça, là-bas au bout, le Cheval Blanc. Il n'y a plus qu'à y aller voir. Voilà, arrivé au Cheval Blanc. De l'autre côté, c'est la Suisse. Ils ont vidé le lac du Vieux Émosson. Et en bas, on voit le barrage des Émossons. Par là-bas dessous, ben, petit souvenir, c'est les traces de dinosaures qui sont là. Mais bon, je vais pas y aller aujourd'hui. Allez, je repars, mais en direction du Buet cette fois. C'est dommage, mais il a fallu tout redescendre jusqu'au lac, quasiment. Mais bon, c'est vrai que j'avais peur que la crête là-haut soit un peu hasardeuse, on va dire. Là, je vais essayer de couper au-dessus du névé pour gagner quelques mètres de dénivelé. Voilà, je suis arrivé assez haut sur le sentier qui grimpe très raide vers la crête. C'est glissant par endroits, il vaut mieux le faire à la montée qu'à la descente celui-là. Là, voilà ce qu'il nous reste à faire. On a l'impression que ça passe pas, mais bon, d'après ce qu'on m'a dit, c'est équipé. Allez, on va voir. Effectivement, ça craint un peu quand même. Mais bon, vu tout le monde qui est passé aujourd'hui, ben, il me reste plus qu'à passer moi. En fait, ça craint moins qu'il n'y paraît.
Voilà le premier câble. Attention, c'est très physique, il vaut mieux être en forme avant de passer là. Et à la descente, ça doit être très impressionnant. Donc, il faut faire gaffe et peut-être amener une corde pour ceux qui aiment pas ça. Et là, suivant, deuxième passage câblé. C'est rigolo, mais une fois qu'on tient le câble, on n'a plus envie de le lâcher après. Heureusement, il va quasiment jusqu'en haut, hein. Mais alors, dur. Et voilà, je suis mort, rétamé. Très très dur. Là-bas au fond, bah, on voit le cheval blanc. Voilà, par là, il y a des bockernes qui marquent la crête sommitale. Attention, au bout des câbles, on est encore loin du sommet. Faut s'économiser un petit peu. Alors encore une fois, ici c'est réservé aux randonneurs expérimentés de ce côté-là, hein, le Buet. Et éviter la descente. Le Buet est un extraordinaire belvédère sur la chaîne du Mont-Blanc. Le paysage est fabuleux, les glaciers phénoménaux là. Voilà, je suis descendu direct sous le sommet, jusqu'aux antennes de Martien là. Et là, je tombe sur une indication. Alors, je vais voir, je vais essayer d'aller vers Refuge des Fonds. En fait, le chemin poursuit l'arête. Il est balisé par des petits points bleus. Donc là, c'est bien direction les Fonds. Alors par contre, les descentes sont très raides et par temps de pluie ou si c'est mouillé, ça peut être très glissant. Attention, ça suit toujours l'arête et il y a quelques passages bien craignos quand même. Même si c'est balisé, bon, c'est pas sécurisé. Il y a quand même un bout de câble là aussi. Ah oui, là aussi c'est pas mal. En fait, il est pas mal du tout ce passage en escalier là, c'est marrant. Cette fois, on est passé de l'autre côté, côté les Fonds. Sympa comme endroit. Bouquetin dans la brume. Me demandez pas où je suis, je vous dirai ça en arrivant. Par moment, le sentier se perd à cause de descente de terrain. Mais il descend à peu près tout droit sous ces deux, entre ces deux pointes là que l'on voit. Un peu plus bas, ça traverse sur la gauche en descendant. Et ça passe des ravines qui sont pas, qui sont assez délicates quand même. Il faut faire attention, il faut être prudent. En plus, c'est un peu mouillé. Une jolie cascade pendant la descente. Alors cet itinéraire, en fait, c'est l'itinéraire du grenier de Villy, qui passe aussi par les Beauprés, puis le ravin des Chaux. Alors il est assez mal entretenu, il est dangereux par endroits, et il faut le réserver aux randonneurs déjà bien confirmés. Ça peut paraître long par moment, parce qu'il y a quand même 2000 mètres à descendre, sinon il est assez intéressant comme sentier. C'est dommage qu'il ne soit pas plus utilisé. C'est très chouette par là. Va juste falloir traverser. Ça, c'est du ravin.
Et le petit sentier rejoint un grand chemin qui va vers les fonds. Et ben voilà, plus qu'une heure tranquille. Et voilà, le refuge des fonds. Et le hameau des fonds. Et dire que tout à l'heure, j'étais tout en haut, là-haut. C'est impressionnant, vu d'ici. Voilà, il est 21h, j'ai fini ma rando à peu près 13h30, donc 12h30 de marche. Très fort dénivelé, je pense dans les 2007-2008. Et très fort kilométrage, ça reste à déterminer. Voilà, je suis très content en tout cas. C'était vraiment fabuleux.